L'abbé Stanislas Mouna, curé de la paroisse Saint-Michel-Archange de Kozoussou et puis de la famille de la communauté de la pierre vivante Lagrange, ordonné prêtre le 2 février 2013 dans la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Je suis le 8e prêtre de la paroisse Saint-Michel de Boutépé. Dis-le-là. C'est surtout le souci de pouvoir servir le pauvre. Souci de pouvoir servir le pauvre. Et surtout, dans la dynamique de pouvoir faire comme le Christ et répondre à cette question, que ferait le Christ à ma place? Que ferait le Christ à ma place? C'est un peu toutes ces réalités-là qui m'ont poussé véritablement à répondre à cette vocation. Cela n'a pas été aisé. Si sur les premiers, au début, ça a été assez difficile, mais petit à petit, les parents ont véritablement accueilli cela. Lorsque moi-même, j'ai pris la décision de pouvoir m'engager véritablement sur ce chemin. Ils m'ont encouragé. Ils m'ont véritablement encouragé. Ils m'ont donné tous les moyens nécessaires pour pouvoir arriver à ce niveau de l'ordination sacerdotale. Bon, j'ai été ordonné diacre le 14 juillet 2012 dans la cathédrale Saint-Paul du Plateau et ensuite sur la paroisse Saint-Ambroise de Cocody-Engrais où j'ai été diacre. Et après cela, en 2013, fin 2013 jusqu'en 2016, j'étais à la paroisse Sainte-Thérèse d'Enfant, Sainte-Enfance de l'Enfant Jésus de Aoutoué. Et ensuite, de 2016 à 2018, Notre-Dame d'Afrique de Biétry. Et Saint-Joseph d'Akouédo m'a accueilli de 2018 à 2021, où je me suis ensuite rendu à la paroisse Saint-Michel-Archange de Kodichou, en devenant curé de cette paroisse. Et depuis 2 ans, j'exerce mon ministère sur cette paroisse. Bon, c'est toute une histoire. J'avais décidé de pouvoir, avant l'année, on a décidé en notre promotion de pouvoir célébrer cela. Et on l'avait préparé. Mais finalement, je peux dire que des événements se sont produits avec particulièrement le décès de mon séminariste, de vénéré mémoire, l'abbé Osou Yannick, dont je voudrais saluer la mémoire et prier pour lui et pour ses parents. Donc de ce fait, j'avais décidé de ne pas faire de cérémonie et la messe du dimanche qui suivait, puisqu'il avait été la messe de ses obsèques ont eu lieu le jour même de notre ordination, de notre anniversaire, donc je l'ai considéré comme ma messe. Mais cette fête a été organisée par des amis, mes sœurs et mes frères, quelques personnes. Et en fait, le seul rôle que j'avais à jouer, c'était de venir dire la prière et ma messe. Donc il n'y a que quelques semaines que j'ai appris cette réalité. Je n'étais pas au courant. Voilà, donc je peux dire, c'est ce pourquoi... On me demandait quand est-ce que tu étais en congé. Bon, je suis en congé. Quand je suis en congé, je viens au village. Donc c'est ce pourquoi cela se passe au village et puis particulièrement à cette date. La miséricorde
du Seigneur, à jamais je la chanterai. Ça a été, ces 10 ans ont été mis sous le signe de la miséricorde. Je pense qu'il y a beaucoup encore à faire et comprendre que tous ces moments ont été des moments de grâce. Toutes ces personnes que j'ai rencontrées, et pour moi, tout est grâce. Hein. Et je pense qu'il y a beaucoup encore à faire. 10 ans après, je me sens que je n'ai vraiment pas fait un grand chemin. Hein. Mais j'ai compris une seule chose, que c'est seulement dans cette communion avec le Seigneur que je peux avancer sur ce chemin de sainteté. Donc je voudrais remercier tous ceux et celles qui m'aident encore à découvrir ce visage de Dieu, et ce visage de Dieu en Jésus-Christ, prêtre éternel. Je me donne à toi, Seigneur, dans ma pauvreté, dans la misère. Purifie-moi de tout mal, pour que je puisse faire ta volonté. Amen.
Bi ha ke kenda cho kuti bi sa Isaiah la topia ha o domenga be ojo ze se e buya mo yete e ma pa fomo vetson e nya boza pense ka tonton e fine e le ze ka e bo e he bien e ze sa bien ka sive e ma ke nu me bi tu ye tu me mia be et nos becamins, et n'y a les capes, mais là, y est.
kaizine enya legbe be imebe ojumo. Ici parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Reçu l'Esprit Saint, nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps, nous dit la lettre de Saint Paul apôtre Romains au chapitre 8, versets 18 à 23. Écoutons. Frères,
J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage et de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. De Dieu. Le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. En ce jour-là, Jésus sortit de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblaient des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour s'aimer. Et comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin. Et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux. Et ils n'avaient pas beaucoup de terre. Et ils ont levé aussitôt. Parce que la terre était peu profonde. Le soleil étant levé, ils ont brûlé. Et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. Et d'autres sont tombés dans la bonne terre. Et ils ont donné du fruit à raison de 100, ou 60, ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur dit, « À vous, il est donné de connaître le mystère du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils le regardent sans regarder, et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi, s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas.
Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne et qu'ils se convertissent. Et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du Seigneur sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terre ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruit. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui écoute la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour 1. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, l'honneur m'est donné de prononcer l'homélie en ce 15e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, jour choisi par la famille de notre frère Mona Stanislas pour rendre grâce au Seigneur à l'occasion de son 10e anniversaire d'ordination sacerdotale. Jour de joie et d'allégresse, jour de bonheur, jour de paix, jour dans lequel le Seigneur nous permet de communier avec son serviteur pour tous les bienfaits qu'il a accomplis dans sa vie. Avec lui, nous allons rendre grâce au Seigneur. Avec lui, nous allons célébrer le Seigneur. Avec lui, nous allons magnifier le Seigneur. Nous allons mettre debout un moment pour chanter les bontés du Seigneur, pour ce qu'il a accompli dans la vie de son fils, Mona Stanislas. Seigneur, à qui irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle.
Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, ce Dieu qui a appelé chacun de nous à son image et à sa ressemblance, nous permet aujourd'hui, par le renouvellement du souffle qu'il fait en nous, de venir le louer pour tous ses bienfaits dans la vie de son fils, Mona Stanislas. Si nous sommes ici rassemblés, chers frères et sœurs, c'est parce que Dieu a voulu que nous venions lui rendre toute la gloire. Parce que sans lui, rien n'est possible. Les hommes peuvent préparer des choses. Les hommes peuvent tout disposer. Mais si Dieu ne donne pas la permission, rien n'est possible. Si nous sommes là, c'est parce que Dieu a voulu que nous venions lui rendre grâce pour tous ses bienfaits dans la vie de son fils. C'est lui qui l'a appelé. Il a appelé du milieu de nous pour qu'il se mette à son service, pour l'annoncer dans le monde entier. Et Dieu lui permet, selon la disposition de son cœur, d'être son serviteur et de communiquer le message de Dieu. Et nous qui sommes ses parents, aujourd'hui, nous nous retrouvons avec lui pour célébrer avec lui et en lui les bontés du Seigneur qui ne s'épuisent jamais. Dieu renouvelle dans la vie de tout être humain ses bontés et ses miséricordes. Il nous faut savoir capter. Il nous faut savoir discerner, il nous faut savoir reconnaître les miséricordes, la bonté du Seigneur dans tout ce que nous vivons à chaque instant de notre vie. Et le Père Mona lui-même, il n'a pas voulu de cette fête. Il ne voulait pas célébrer ses 10 ans. Mais ses soeurs se sont organisées avec son frère, son papa. Il y a plusieurs qui étaient dans la combine. Et ils ont organisé les choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui sont surpris. Ah, le père a eu fête et puis nous, on n'est pas informés. Quelle est cette... Non, le père n'était même pas informé lui-même. C'est ses frères et sœurs qui ont organisé les choses et qui ont informé ceux qui pouvaient informer que nous soyons là aujourd'hui. Et le père, c'est la dernière minute que lui-même a été informé. Donc, il a essayé, tant bien que mal, de colmater les brèches pour que nous soyons là. Donc, il n'y a pas lieu de se poser toutes sortes de questions pour dire, mais il fête et puis il ne nous a pas invités. Non, ce n'est pas lui qui fête. Ce n'est pas lui qui a organisé. C'est ses parents qui ont organisé. Et ils ont voulu faire quelque chose de sobre. Mais il y a ce que nous, on prévoit faire. Et puis, il y a ce que Dieu même dispose pour que nous puissions faire. Si aujourd'hui, on se retrouve là avec ce monde auquel on ne s'attendait pas, c'est Dieu qui a permis cela, voyant ce que son fils qu'il a appelé du milieu de ses frères et sœurs, se dispose à faire pour le peuple de Dieu. Ceux qui connaissent le père Stan, d'autres l'appellent Stani ou Tani, c'est quelqu'un qui ne sait pas dire non. Il ne sait pas dire non et il ne sait pas se reposer. Il sait se sacrifier pour ses frères et sœurs. Et souvent, on lui dit, apprends à te reposer un peu. Faut savoir t'arrêter un peu. Mais Stan ne sait pas se reposer. Parce que pour lui, les autres passent avant lui. Il faut que les autres soient d'abord satisfaits avant qu'il ne pense à lui-même. Et il se dépense pour les uns et pour les autres. C'est ce qui a fait que ses sœurs et ses frères ont dit, il faut qu'on célèbre notre frère. Mais en lui, on célèbre celui qui nous donne la force de toujours être en mouvement, se sacrifier pour les uns et pour les autres. Il y a beaucoup qui sont là aujourd'hui qui savent, qui dans le secret, ce que Stan a fait pour eux. Combien de fois il s'est dépensé pour eux. Mais en réalité, c'est parce que la parole de Dieu est tombée dans une bonne terre que lui il est. Et il a accueilli cette parole. Cette parole a produit en lui des fruits. Et c'est les fruits que les uns et les autres viennent récolter auprès de lui. Tout ce qu'on bénéficie auprès de Stan, c'est le Seigneur qui le permet. Parce que Dieu lui donne les énergies nécessaires, les forces nécessaires pour mener à bien sa mission. Et il nous faut savoir témoigner à Dieu sa reconnaissance, sa bonté et sa grâce dans la vie de son serviteur. En venant aujourd'hui célébrer le Seigneur pour ses bienfaits dans la vie de son fils, il nous faut nous-mêmes accueillir
les bontés de Dieu dans la vie de chacun de nous. Lui qui dit, dans la première lecture que nous avons entendue, que sa parole, quand elle est donnée, elle tombe comme la pluie. Elle ne retourne pas à lui tant qu'elle n'a pas fécondé la terre pour laquelle elle est tombée. Et qu'elle féconde la terre, alors elle peut remonter vers lui parce qu'elle remonte avec lui, avec chacun de nous, avec ce que nous vivons comme situation, mais transformée dans la parole de Dieu. Et en cela, nous sommes capables de devenir un parfum agréable à la louange et à la gloire de Dieu. Parce que notre humanité est transformée par la parole de Dieu qui nous a été communiquée. Et si la parole de Dieu nous est communiquée, du coup, les souffrances du temps présent, ce que nous endurons aujourd'hui, n'est pas comparable à ce que Dieu a prévu pour nous dans les cieux. Parce que, en réalité, tout ce que nous vivons comme situation n'est qu'une préfiguration de ce que Dieu a prévu pour chacun de nous dans les cieux. Et si nous savons vivre les réalités du temps présent, nous serons capables de bénéficier des réalités du temps céleste que Dieu dispose pour chacun de nous. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se laisser décourager sur le chemin où il y a beaucoup d'épreuves et de difficultés. Stan est toujours joyeux, jovial, serviable. Mais vous ne savez pas également ce qu'il vit comme épreuve, comme difficulté. Mais il sait taire tout cela et puis penser à vous. Mais s'il sait le faire, c'est parce que la parole de Dieu est pour lui une force et un repos sur lequel il peut s'appuyer. Donc, en le regardant vivre, nous sommes amenés à nous appuyer sur cette parole. Parce que la force qu'il a de se sacrifier pour nous, nous provient de la parole de Dieu qui médite chaque jour. C'est là qu'il puise ses forces et les énergies pour nous les communiquer. Et si nous comprenons d'où provient sa force, alors nous allons également chercher à nous abreuver à cette source intarissable des grâces de Dieu. Et si nous nous contentons simplement de profiter de lui, mais si nous ne prions pas pour lui, c'est un être humain, il peut aussi se fatiguer. Et s'il est fatigué, il nous faut savoir le laisser se reposer. Parce que souvent, chrétien, tant que le père n'est pas complètement couché, ils ne le laisseront pas. Ils vont l'appeler. Mon père, j'ai ceci. Mon père, j'ai cela. Mon père, j'ai ceci. Et puis, lui, il se sacrifie pour vous. Mais qui se sacrifie pour lui? C'est ça, la réalité. C'est vrai que Jésus s'est sacrifié pour lui. Mais il a aussi besoin de la chaleur humaine. Il a aussi besoin de votre présence. Il a aussi besoin de savoir que vous pensez à lui. Celui-là, il a dans son répertoire de téléphone tous les anniversaires de tous ceux qu'il a dans son téléphone. Et chaque jour, il va appeler. L'anniversaire d'un tel, l'anniversaire d'une telle, et puis l'appel. Quelle que soit l'heure, il va arriver chez toi pour aller te saluer. Ça, vous le savez. Mais est-ce que vous êtes capable de lui rendre l'appareil? C'est ça la réalité. Quelqu'un qui se sacrifie pour vous, il vous montre le chemin. Le chemin pour que vous soyez capable de vous sacrifier. Ne pensez pas seulement à vous. Mais aujourd'hui, notre monde est un monde qui est fermé. Les gens pensent d'abord à eux-mêmes. C'est nous d'abord. Après nous, on verra les autres. Mais si lui se sacrifie pour vous, c'est pour que vous soyez capable de vous sacrifier pour lui. Et Jésus, c'est le modèle de Jésus. Il dit à ceci, vous reconnaîtrez l'amour. C'est que le Christ a donné sa vie pour vous, pour que vous aussi vous donnez votre vie pour vos frères et sœurs, afin qu'on sache que le Christ nous a donné son amour pour que nous puissions le communiquer à ceux qui sont autour de nous. Et cet amour de Dieu, si nous l'accueillons de par notre frère qui nous le communique, nous devons être capables de le communiquer également à nos frères et sœurs. C'est pour cela que, chers frères et sœurs, nous ne devons pas être des foyers de division. Nous ne devons pas être des foyers de querelles. Nous devons savoir que Dieu, si Dieu a permis que nous puissions être ensemble, c'est que nous puissions marcher dans la même direction. Même si chacun est différent,
si chacun est unique. Mais Dieu nous permet de marcher ensemble. Il peut avoir des incompréhensions. Nous ne devons pas perdre de vue une seule chose. C'est que dans la vie, Dieu ne permet rien pour rien. Si Dieu a voulu que nous appartenons à une même famille, à un même village, c'est parce que c'est dans cette famille, dans ce village, que Dieu veut nous bénir. Il peut avoir certaines personnes qui ne comprennent pas cela. Mais nous, qui savons que nous appartenons à un village, nous appartenons à une paroisse, nous appartenons à une famille, nous devons nous mettre ensemble. Et c'est notre unité qui va attirer les uns et les autres. Nous ne devons pas rejeter les autres pour dire, comme ils ne veulent plus faire famille avec nous, nous également ne faisons plus famille avec eux. Ça, c'est pas ce que nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit de prendre avec nous nos frères et sœurs. Quand ils s'égarent, à nous de les interpeller pour qu'ils reviennent sur le bon chemin. Nous ne devons pas les laisser dans leur situation parce qu'on dit, oh, tout compte fait, ils disent qu'ils ne veulent plus de nous. Non. Si nous savons que nous appartenons à la même famille, à la même église, au même village, ça veut dire que Dieu a voulu que nous soyons ensemble. Ce n'est pas nous de rejeter ce que Dieu a mis ensemble. Si nous rejetons ce que Dieu a mis ensemble, nous rejetons celui-même qui a mis cela ensemble. Il s'agit de qui? C'est Dieu. Si nous rejetons nos frères et sœurs, ce n'est pas eux que nous rejetons, c'est Dieu que nous rejetons. Parce qu'eux n'ont pas décidé qu'on soit frères et sœurs. Aucun de nous n'a décidé que nous soyons membres d'un même village, d'une même famille, d'une même paroisse. C'est Dieu qui l'a décidé. Pour nous dire quoi? Pour nous dire que il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de nous. Ça dépend de Dieu. Et si Dieu veut que nous soyons ensemble, qui sommes-nous pour refuser le projet de Dieu dans notre vie? En refusant le projet de Dieu, nous devenons comme les grains qui sont tombés sur le rivage. Et les oiseaux sont venus pour manger ces grains et ils n'ont pas pu produire des fruits. Nous devenons également comme ces hommes dont les pierres sont tombées dans les ronces. Et comme les ronces les ont étouffées, ils n'ont pas pu produire des effets. Nous devenons comme cette terre où les grains sont tombés dans les pierres. Et comme il n'y avait pas de racines, l'herbe n'a pas pu émerger. Elle a fini par se dessécher. Nous devons prier pour être des terres fertiles. Fertiles à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est que nous puissions nous aimer les uns les autres. La parole de Dieu, c'est que nous puissions nous accepter tel que Dieu a voulu que nous soyons. Ce n'est pas nous demander à Dieu de changer nos frères et sœurs. C'est nous qui devons d'abord nous changer. Si nous nous changeons, nous serons capables d'aider nos frères et sœurs à se changer également. Mais si nous ne changeons pas, nous ne voulons pas que nous avons des efforts à faire. Nous pensons que c'est seulement les autres qui ont des efforts à faire. C'est eux qui doivent changer. C'est chez eux que se trouvent les difficultés. Nous, on n'a pas de problème. Depuis quand vous avez vu dans une maison deux personnes qui se bagarrent et on dit non que c'est lui qui cherche toujours des histoires. S'il cherche des histoires, que toi tu ne réponds pas, il n'aura pas d'histoire. Vrai ou faux? Dans une maison, quand il cherche toujours des histoires, toi tu ne réponds pas. Est-ce qu'il aura des histoires? Il n'aura pas d'histoire. Mais si tu prêtes le flanc, il aura des histoires. Mais si tu ne réponds pas à ces provocations, il n'aura pas d'histoire. Parce que tu ne prêteras pas attention aux noises qui te cherchent.
Mais si tu réponds, il y aura des histoires. Donc, chers frères et sœurs, nous qui pensons connaître Dieu, nous qui pensons aimer Dieu, nous qui pensons vivre de la parole de Dieu, c'est à nous de laisser cette parole nous transformer pour que nous puissions transformer nos frères et sœurs. Je voudrais, qu'en célébrant ces 10 ans du Père Mona Stanislas, que chacun se remette en cause. Que chacun regarde à sa propre vie. Que chacun regarde à sa propre famille. Que chacun regarde à l'histoire de notre village, pour ceux qui sont du village. Est-ce que nous sommes en train de nous développer sur le plan des relations humaines ou nous sommes en train de regresser? Est-ce que nous entretenons de bons rapports les uns avec les autres ou nos rapports sont devenus plus difficiles? Est-ce que l'amour de Dieu a encore sa place au milieu de nous? Est-ce qu'ils sont capables de regarder notre frère, notre sœur, comme image de Dieu, parce que créer à l'image et la ressemblance de Dieu? Est-ce qu'ils sont capables d'être tempérants envers lui? Ils sont capables d'être tolérants envers lui? Ils sont capables de lui pardonner? S'ils ne sont pas capables de le faire, pourquoi venons-nous à l'église? Est-ce que la parole de Dieu a encore de la place en nous? Si la parole de Dieu a sa place en nous, c'est à nous d'accueillir nos frères et sœurs. Non pas pour ce qu'ils sont, mais pour celui qui les a créés et qui nous a créés également. Et qui va juger chacun de nous sur la loi de l'amour. On ne dira pas, tu as fait ceci, tu as fait cela. On te pose la question de savoir, est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu as semé autour de toi la paix? Ou tu as été instrument de division? Cette question nous est posée à chacun de nous. Est-ce que dans mes relations avec les uns et les autres, je pourrais dire que mon cœur est une terre fertile sur laquelle est tombée les graines capables de produire des fruits dans ma vie? Si mon cœur est resté fermé à la parole de Dieu, donc je me suis laissé conduire par ma propre imagination, par les œuvres de la chair, et non pas par les œuvres de l'esprit. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu voudrait que nous puissions marcher et prendre avec nous nos frères et sœurs. Il ne s'agit pas de seulement critiquer, mais il s'agit de changer. Et le changement passe par chacun de nous. La parole de Dieu qui tombe comme la pluie ne remonte pas vers Dieu sans produire des effets dans nos vies. Et que chacun de nos cœurs ce matin soit comme des terres fertiles à la parole de Dieu. Et c'est pour chacun de nous aujourd'hui le jour de la conversion. C'est pas demain. Parce que justement chacun de nous, nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Et comme nous ne savons pas, c'est aujourd'hui que nous devons changer notre cœur. C'est aujourd'hui que nous devons prendre la décision de revoir nos relations les uns envers les autres.
C'est aujourd'hui que l'amour de Dieu doit trouver encore place dans chacun de nos cœurs. À que... Mais n'est chaud, mais n'est sang. Au Domiga, oh, bimi yo jo, ça dit, ça t'éteint, à cause ça coussait bien, et ni, ni même ébellisé, alors qu'on allait ça bien, pas ce soit dit, et ne ce soit belé, il faut pas attouiller, à cause à cette tombeau ni ce soit là. Ah, c'est ça, c'est. Alors, ça vaut comme non. Yeah. Zo son. Nous avons nos locaux à ce soir dit. De soir dit, et malheureux à pion, à l'obéon, à l'obéon. Ça vit là, yeah. Et nous, ça partout là. A sa yè bin lò djè ou. E ma sa boudè pi kwa fè nou. A sa yè alè, ma gbè. Lè fè patou, a sa yè ke alè. A dè abè a hon a sa yè la. A dè abè a hon a sa yè la. A dè abè a hon a sa yè la. A kè sa kwè, e ma pen djè ou. A se chini a sa yè bin la e. Ça va tout à boubé. A que nyama nous est, ça vient. A ça y est, le Dieu. A ça y est, bien, le Dieu. A que ça va tout à l'oué, quoi ça y est, bien, le Dieu. A l'oué, ma, à ma pied. A l'oué, ma, à ma pied. A c'est ma pied. Que nous, à yéla, qu'on zone ou pour qu'à ne a bebon ya shipa a ko bon ya shi e malekon sa kousen ben a le di jo o pien a ko sa bon ya e kaman fwe o hyan e se kaman fwe o hyan o nye sa to le to nye ma ke ho ma to nye la ye ta pa tu a to nye la ye me to nye e ma sa ye ne o et ma hene ou tu nye et ma le kon aïe sa ke la aïe sa ke la a se sa ke hen a le yo se yannou sa ke la yama bo pila yeto pono kon sa ke ma bo la le bo zoe bo kousen me la we hen a ko lwe o lo kon bo sabi la ye bo mi fi ma e hon e ma oku se be la se ma oku se be la do lo a ke o ma fwe e ma bo fin o yon sen e ma bo fin a bo reke bo le a se hata o e se mou wo jiswan di egbe nou obo a pien o a lobe o a ke sa reke a le do o nou nye to do se nye sa toye, a se kli e keke egbe. Jo, kon lo sa, a ke wosa bencho, wosa djen bo. A wosa kousen be, a fien mi akad nou jo, o djen bo wonu sa di, a ke pien sa o. A man ze swa be, sa bi fin a. Jo fin a ze swa be a. E se le jo fin a ze swa be. A ke le sa bi a danoume a. Jo ma danoume a. A se jo noume da. A sa ye bi pap, ye pap me sa ya o.
ako zuma o chouchou sa keke ali ako o man fwe enou kan sa pa patou ni a isaka kon zo le sa pa patou sa bien yo sa balé amma sa ke latin a isaka zeba ni zo jo ma on avant d'aller vers mon hôtel. Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va d'abord faire ta réconciliation avec ton frère. Et puis reviens faire ton offrande. Ça veut dire quoi? Tant que tu ne vas pas te réconcilier, ton offrande ne trouvera pas grâce devant Dieu. Si on ne se réconcilie pas véritablement, nos offrandes resteront là, devant l'autel du Seigneur. Ça ne montera pas. Si ça ne monte pas, ça servit à quoi de venir faire des offrandes? Alors, demandons au Seigneur d'ouvrir notre cœur pour que nous puissions le laisser transformer chacun de nos cœurs, chacune de nos vies, pour que nous soyons capables de nous sacrifier les uns pour les autres, que nous soyons capables de fournir des efforts pour les autres, de ne pas toujours dire « c'est les autres le problème ». Mais que chacun puisse reconnaître sa part de responsabilité afin que Dieu puisse nous aider les uns les autres à marcher vers sur le chemin du salut. Que le Seigneur, qui a voulu qu'en ce jour, nous puissions nous retrouver dans sa maison pour le célébrer, pour les grâces qu'il a accordées à son serviteur 10 ans durant, nous parlons des grâces, mais il a aussi connu des moments d'épreuve difficiles. Mais Dieu seul en est témoin. Et lui seul mérite qu'on lui rende toute la gloire. Parce que pendant ces temps d'épreuve difficile de la vie de notre frère, Dieu était là. Dieu était là pour veiller sur lui. Dieu était là pour l'épauler. Dieu était là pour le soutenir. C'est justement pour cela qu'il est là aujourd'hui. Alors, que toute la gloire, l'honneur, la magnificence revienne à notre Dieu qui est vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Il est à Bouyad Mouaweshi. Allons ensemble, nous allons redire notre foi en ce Dieu 3 fois 7. Mes bros, oléi, anomawe. Mes bros, bien, anomawe. Mouase, frère, oléze. Mes bros, anomawe.
ye beg bang no seg bang bang wela tsa lo kwa sa ko e wela ye me sa bang ba ke shita bang e mwe e ngale anana Seigneur notre
notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous célébrons en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Majesté. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Oh,
faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous tenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Michel Archange et tous les saints qui le servent d'intercéder auprès de toi et nous assure ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Alexis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Si l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais tu seras ma parole. Allons à l'agneau bleu, dit Seigneur, partager son amour. Heureux celui qui met en lui son espoir. Oh oui, allons partager son amour. Heureux celui qui met en lui son espoir. Heureux celui qui met en lui son
la ke ba bole me ke ye ba o dominga o maeka e no baba e peton ma baba ka la la kle Please.
je suis ton centre. Illumine par ton esprit les forces de l'univers, les astres. Je voudrais tout simplement dire un grand merci au Seigneur. Aman kebou yeke leo élément. Prosper a dit cette fête, je le pars pour certaines raisons. D'abord parce que il fallait rendre grâce, mais j'ai trouvé qu'il y avait trop de choses. La toiture de l'église qui est partie. Ensuite, les morts chez nous au village à Kodouchou, plusieurs successivement. Et puis ensuite, le jour de l'anniversaire, c'est là que j'ai enterré mon séminariste. Et puis, l'un des membres du conseil, quelques jours après. Donc, j'ai trouvé que c'était un peu difficile pour que les gens puissent comprendre. Mais l'essentiel, c'était de pouvoir dire merci au Seigneur. Quelques jours après, mon téléphone sonne. Mon père, la fête là, c'est quand? Mais c'est déjà passé. Non, mon père. Non, tu vois pas qu'on est en train de préparer. Regarde sur la plateforme là. Le temps de partir, tout a disparu. On s'est resté comme ça jusqu'à ce que, un jour, M. Mona, il aime beaucoup les organisations. Donc il a senti que quelque chose l'échappe. Il m'appelle, il me dit, Padre, même en latin, quoi, je comprends. Même si tu veux faire des choses toi-même, il faut quand même informer. Voici, il y a une fête, tout le monde vient, on parle dans le village. Deux personnes m'ont rencontré, toi, tu ne m'informes pas. Je dis, papa, c'est pas. Je ne fais rien. Moi, mais je ne sais même pas tout ce qui se passe même. Je dis, bon, ça va. Mais j'ai dit, si tu veux, demande à tes filles. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui se travaillait jusqu'à ce que, quelques temps après, quelqu'un m'a appelé de l'extérieur pour me dire que, mon père, pour la fête, là, on fait comment? J'ai dit, ah, moi, je ne sais pas. Il doit y avoir une fête. J'ai dit, ah. Donc, c'est comme ça que j'ai dit, s'il y a fête, il ne faut pas que j'aie honte. Ceux qui sont venus des premiers, là, qui sont venus avec le cadeau, ce sont ses amis du lycée, la terminale. Donc, Sekou, Jacques Mian, j'ai failli dire Aïdara, et puis Charles. Donc, avec. Non, en fait, je ne veux pas dire des sobriquets, quoi. Madame le sous-préfet de série, c'est ça, ça s'appelle série. Donc c'est comme ça, ça s'est passé. Puis elle a contacté une autre amie de la fac, le sous-préfet de Dagou. Donc j'ouvre la parenthèse, je vous confie ma soeur. Mais non, comment moi? Hein? Madame le sous-préfet, tu peux te lever un instant. Voilà. Ça, c'est une sœur et un ami de l'université. Voilà. Oh, je ne savais pas que derrière, il y avait tout un arsenal de certains d'autres amis de l'université qui sont là, d'autres amis de d'autres groupes, avec qui nous avons le groupe des Fata, de la pierre vivante, vraiment tout un système qui était mis derrière. Et moi-même qui suis là, je ne suis pas au courant. C'est le 8 dernier que j'ai su par le truchement. Hein, deux semaines après, le curé m'a appelé. Mais, l'abbé, ton affaire là, on dit quoi? On fait comment? J'ai dit, mais, ah, c'est en train d'arriver. Mais je te dis en même temps, il y a quelque chose qui se présente. C'est comme ça que le 8, j'ai su que mon stagiaire de l'année dernière était dans le coup. Il a dit, c'était le 8-9, mais on a dû changer la date. Parce que je fais mon ordination aussi ce jour-là. Alors pour dire que Dieu fait des merveilles. Tous ceux qui sont venus, mais le monde a saint. Vraiment, merci à tous et à chacun. Et que le Seigneur nous donne cette grâce. Prosper,
Nassin. L'abbé Prosper Ogou Monan, le fils d'Ogou Mémé. Il a 9 ans de sacerdoce. C'est moi qui ai prêché à sa messe d'action de grâce. Et ce jour-là, ce qui s'est passé ici, là, aux 10 ans, là, c'est passé encore. C'est-à-dire que les années passent, mais il y a toujours quelque chose qui ne va pas. J'ai pris le rythme et puis je me suis perdu au milieu. Donc, merci encore, Prosper. Hein, il est venu à mon secours. Merci au Père Dibi Nchou et à tous les prêtres qui se sont prêtés à l'exercice de mes amis et de mes sœurs. Grand merci au Père Nicaise, le Cambusier, qui est venu hier et qui a été le prédicateur de la soirée d'hier. Voilà. C'est ça. Il est vicaire à Saint-François-Xavier, mais il va à Kouré, Saint-Joseph-d'Akouré. Et puis le Père Prosper est à Saint-Jean-Marie-Vianney, c'est ça, de Courouette. C'est le curé là-bas. Et puis, il y a le Père, tu es de Korogo. Bondoukou. Ah, c'est quel nom, mon père? Victor. Yasule Poko. Merci, mon père, qui est venu nous soutenir. Et toi, tu as dis pas le nom du monsieur là d'abord. Si ça peut pas. À Ainsan, il est fond. Voilà. Donc, lui, il est moine à Gagnoua. Bah. Orima Anissan, Armel, c'est un bout d'épée. Donc c'est l'abbé Prosper qui l'a croisé, présenté. Donc ça fait 4 fois que tu viens à bout d'épée. Donc il dit, il vient maintenant au village. Il est venu maintenant, il vient maintenant au village. Et puis le monsieur qui est juste au milieu, voilà, c'est monsieur Asseux. Ouais, c'est le mot du curé. Monsieur Asseux, je te dis merci. Parce que tu as tout fait. C'est mon tuteur d'Abidjan. Il était à la paroisse de Fékessé. Il va maintenant à Notre-Dame d'Afrique de Biétry. Il m'a dit, Mona, tu vas chez mon nomo demain matin. Je vais venir voir ce que tu viens faire ici. Donc tu es venu, monsieur Asseux. Merci. Mêlez-vous, Nassimpin. Alors merci au curé et puis à tout le conseil. Nassim Yegben, c'est le dernier. Élément. Mélo. Bo somme, bo pomme nye, kanyanya la. O dominga, bo mi kome ye wo, ke yi bo le se me, o se mi se se o. E la fome, bo nasi. Be yi be moula. Bo me bo ne se la. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction. Que Dieu Tout-Puissant éloigne toujours de vous l'adversité et que de son bonté répandre sur vous les bienfaits de sa bénédiction. Qu'il vous donne de comprendre ce qui est juste et bon afin de courir toujours sur les voies de ses commandements et ainsi de prendre part à l'héritage des citoyens des cieux. Je tonien en ce serenser et bon mon fil et ananan, on les y bien, monsieur Bagba est là. Tu fais de moi ton messager, pourtant je suis faible. Oh mon Dieu, mon âme te bénit. Père Mona, c'est quelqu'un que nous connaissons, un père que nous connaissons plus tôt. Comme on le dit, tout ce qui a été dit sur lui, c'est la pure vérité. Et nous sommes très contentes d'être parmi ses invités. Depuis hier, nous étions là pour la fête. Et nous lui souhaitons encore des jubilés, jubilés, jubilés encore. Voire même 60 ans de vie sacerdotale. Merci. Nous avons fait boquer ensemble, précisément à la terminale. On s'est perdu de vue depuis un certain moment. Mais j'ai été approché par d'autres amis en commun pour cette belle fête-là. Et vraiment, je ne pouvais que y être présent.
Je suis vraiment content d'être là, de l'avoir vu. Ça fait plus de 15 ans, depuis 88, qu'on ne s'était pas vu. C'est vrai qu'on s'est appelé quelques fois, mais on n'avait pas le temps de se voir. Vraiment, je lui souhaite un très joyeux anniversaire, sacerdotal. Que Dieu lui donne la force de toujours continuer son œuvre. Nous voudrons, en tout cas, pour notre père, lui souhaiter le vœu de succès dans son sacerdoce, mais aussi de santé, de pleine santé, afin que l'œuvre de Seigneur Jésus-Christ, que lui-même il a embrassé, vraiment, que Dieu puisse le bénir et l'accompagner tout au long de son sacerdoce. Mon souhait, qu'il achève en lui ce qu'il a commencé. Melon, bon sommeil.